Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Moto GP. Aujourd'hui, on va peut-être atteindre la fin d'une série qui a duré quand même très longtemps sur cette chaîne, peut-être même un peu trop longtemps, me diront certaines personnes. On va donc revenir sur le sujet Marc Marquez. Vous le savez, sur cette chaîne, avec des grosses vidéos, avec les épisodes d'actu, on a suivi l'état de santé, tout ce qui a pu se passer autour de Marc Marquez depuis la fin de la saison 2020 et jusqu'à maintenant. Récemment, je vous annonçais du coup que le retour de Marc Marquez était très proche. Aujourd'hui, on a donc de nouvelles confirmations qui amènent à ça. Je vous avais dit que je vous ferais du coup une vidéo par rapport au check-up médical qu'allait faire Marc Marquez. C'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Plus un petit truc qu'a posté Marc Marquez sur ses réseaux sociaux. Je vous le dis, info sûre, vous allez surkiffer. Alors quand je dis kiffer, je dis bien sûr ceux qui aiment et qui ont envie de revoir Marc Marquez. Pour les autres qui ne sont pas très ravis de voir encore Marc Marquez sur cette chaîne, dites-vous que cette série est bientôt terminée. Voilà, comme ça, il y a du positif pour tout le monde. Donc bon, on ne va pas tourner autour du pot, on va directement parler du rendez-vous médical de Marc Marquez. Et pour ça, je vous lis rapidement les propos des concernés. L'équipe médicale, dirigée par les docteurs Samuel Antunia et Ignacio Roger de Onya, ont vérifié la progression satisfaisante de la consolidation d'os. À partir de ce moment, Marc Marquez peut désormais intensifier son programme de récupération de force et de mobilité en vue de revenir progressivement à la compétition. Alors je sais, certaines personnes me diront « Oui, bon, bah, ce n'est rien qu'un petit check-up médical, mais celui-là, il est quand même extrêmement important. Il était très attendu par Marc Marquez parce que c'est celui qui permettait de déterminer si oui ou non Marc Marquez avait une réelle chance de commencer cette saison 2021 lors du tout premier Grand Prix sur le circuit du Qatar. Donc bref, tout est en train tout simplement de très bien se passer pour Marc Marquez. Honda attend sa petite poule aux œufs d'or. Marquez se sent prêt à revenir à la compétition. Il manquait plus que ça. Cette petite roue à l'engrenage, c'était les médecins. Qu'allaient dire les médecins? Les médecins sont donc aussi favorables pour une reprise d'un entraînement assez conséquent, ce qui veut dire que Marc Marquez va pouvoir maintenant bien s'entraîner pour le début de cette saison 2021. Et justement, c'est la deuxième partie de notre vidéo et la deuxième partie de cette news. Nous avons vu Marc Marquez s'entraîner sur quelque chose qui va vous faire plaisir après des mois et des mois à voir Marc Marquez tout seul dans une pièce bien triste. Et donc voilà ce que Marc Marquez a posé sur ses réseaux sociaux. Je vous mets donc la vidéo hier, après 8 mois et l'approbation des médecins lors du dernier contrôle, j'ai ressenti à nouveau ce sentiment alors que c'était avec une mini-moto. Petit message en plus que je n'avais pas tourné au moment de cette vidéo, Marc Marquez a posté aujourd'hui une nouvelle vidéo et celle-ci elle est encore meilleure je trouve que la précédente. Et donc voilà le petit message de Marquez agrémenté du coup de cette vidéo. Bon, la traduction Google n'est pas la meilleure mais je pense que vous avez bien compris. Donc oui, enfin, ça donne quand même le sourire, enfin, on a maintenant un avenir qui a l'air très bien fixé, les médecins sont ok, Marquez est donc de retour sur une mini-moto, mais quand même une moto, on sent qu'il va mieux, on sent que les choses avancent. Ouais, ça fait du bien, je pense que ça fait aussi du bien de mettre fin un peu à toute cette série médicale, check-up médical sur Marc Marquez, on en a fait quand même pas mal d'épisodes, personnellement j'ai pris vraiment un petit plaisir à suivre tout simplement l'état de Marc Marquez, parce que oui, c'est un pilote que j'aime, et je trouve que oui aussi, c'est un pilote qui est extrêmement important pour le monde du MotoGP, et donc c'était, je trouve, intéressant de suivre un peu l'actualité qu'il y avait autour de lui. Mais bref, maintenant, sauf énorme surprise, je pense qu'on peut dire que c'est sûrement le dernier épisode de tout ce check-up médical autour de Marquez, si vraiment il y a un bouleversement et que Marc Marquez décide de changer quelque chose, peut-être qu'on refera une vidéo, mais normalement, c'est fini. Les problèmes sont enfin terminés, en tout cas, bon, peut-être pas parler trop tôt, mais on espère en tout cas que les problèmes sont terminés et qu'on reverra Marc Marquez sur une moto lors du premier Grand Prix et que tout ira bien, qu'il soit 15e, 20e ou quoi que ce soit, on s'en fiche, mais que tout aille bien et qu'il soit enfin de retour dans cette belle catégorie MotoGP. Donc bref, voilà, pour moi c'est la fin de cette vidéo, j'avais pas envie réellement de plus parler, je pense que vous avez eu un bon topo sur cette dernière actualité. Je vous remercie quand même d'avoir suivi tout le long cette petite série. Bon, c'est pas réellement une série, mais je pense que vous comprenez ces petites vidéos, en tout cas sur Marc Marquez. Je me suis vraiment bien amusé. J'ai vu que ça vous a clairement bien plu, donc tant mieux. Tout le monde est heureux, on a bien profité. Mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin, en tout cas pour ce sujet-là, je pense que c'est bien que ce soit fini. Bref, allez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. Bye bye les potes. Ciao.